be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Quant à moi, ça se passe très très bien. Les vacances se passent très bien dans mon joli petit studio tranquille. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo puisqu'on vient de m'offrir une paire de baskets et je me rappelle aussi que j'ai toujours en tête que je devais faire une vidéo d'une paire de baskets Air Max. C'était des Air Max, j'arrive pas à dire. Des Air Max bleus, et comme j'en ai pas trouvé, après j'en ai trouvé dans les sites, mais le temps que ça vient, et je voulais pas trop attendre puisque j'avais les vacances et tout, et puis j'avais envie d'une paire assez rapidement. Et puis en fait, c'est sûr que j'en ai trouvé, mais en fait j'ai trouvé dans les magasins, mais les Air Max bleus que je voulais, le problème c'est que y a pas ma taille, que du 40 ou bien du 38. Et moi, ma taille, c'est une petite taille 40-42. Et puis voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Puisque voilà, en fait, on m'a offert une paire de Nike. En fait. Une paire de Nike qui est pas mal, franchement, elle est pas mal. C'est un petit cadeau qu'on m'a offert. J'ai pas acheté cette paire de chaussures. Du coup, j'ai dit, comme je devais faire une paire. De Air Max bleu, qu'en fait je devais faire une vidéo sur les Air Max bleus. Comme vous avez vu, j'avais fait une vidéo sur les Air Max rouges. Air Max, c'est bien Air Max rouge. Et du coup, comme ça fait un moment que j'avais fait cette vidéo, j'ai pas fait de vidéo de basket. Et puis là, et moi j'aime bien les baskets. Quand j'ai vu comment faire ça, j'ai pas hésité une minute. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo. Comme ça fera une nouvelle vidéo le temps que je trouve. Après, si je ne trouve pas les Air Max bleus que je cherche, parce que c'est difficile de trouver la pointure exacte et tout, ma pointure et tout. Du coup, si je ne trouve pas, je vais peut-être prendre des Air Max blanches ou bien ou des blanches ou d'autres couleurs qu'il y a. Parce que j'ai vu même des Nike qui sont blanches, qui sont pas mal. Mais là, ce ne serait pas des Air Max, ce serait des Nike. Je vais toujours chercher les bleus que je veux. En fait, c'est la même qualité de basket que j'avais acheté. Mais du coup, comme c'est difficile à trouver, je ne sais pas si je ne vais pas prendre des Air Max bleus ou une autre couleur. Mais je ferai certainement une nouvelle vidéo, que ce soit chez moi ou bien ici. Je pense que ce soit chez moi, parce que j'ai du mal même de partout à trouver cette paire-là, que ce soit... après, il faudra que j'aille jusqu'à peut-être Paris pour aller trouver cette paire-là. Mais certainement, je ferai une vidéo à Paris. Je ne sais pas quand j'aurai l'occasion d'aller à Paris pour acheter une paire de baskets. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je vais souvent un peu à Marseille, un peu partout. Mais je suis plus vers dans le Var, dans Toulon, entre Toulon, et puis je remonte sur Lyon. Mais cette paire que je vais vous montrer est quand même une paire assez bien, puisque c'est une vieille paire de baskets que je mettais à l'époque. Je mettais tout le temps cette paire de baskets. Je l'avais mis en bleu à l'époque, j'avais même en noir. J'avais plusieurs modèles et c'est un vieux modèle en fait. C'est pas un modèle extraordinaire quoi, c'est un modèle qui est vieux. C'est pas de la nouveauté. C'est une paire avec des ressorts et qui sent très bien. Pour commencer, je vais vous montrer déjà quand on prend une paire de baskets ou une paire de chaussures, tout, c'est bien de mettre une petite mousse dedans, la paire de chaussures, qui est adaptée pour le dos, qui s'adapte vite à votre dos et à votre pied. Ça vous donne un peu de la taille et toute d'épaisseur, mais c'est la bonne qualité. Après, ça coûte 20 euros, c'est quand même un prix. Pour moi, c'est un prix raisonnable, mais c'est quand même cher. Ça aurait dû être peut-être un petit peu moins cher, mais bon, après, ce sont les prix de la qualité des marques en ce moment qu'on paye beaucoup. On va dire un peu ça, mais voilà, je tenais à vous montrer la vidéo, puisque voilà, c'est pas moi qui l'ai acheté cette paire, mais on me l'a offert, donc du coup, elle coûtait au moins 130 euros, un truc comme ça.
avec la mousse, ça m'a fait avec 20 euros, vous rajoutez 130 euros, 20 euros, ça vous fait un total de, si je ne dis pas de conneries, 50, 150 et quelques euros. Et puis du coup, j'ai fait en fait, je me suis dit, je vais faire cette vidéo, parce que vraiment, je vais arrêter de parler, de discuter, je vais vous montrer un peu la marchandise, tranquillement. Moi, c'est une vidéo tranquille, on prend le temps dans cette vidéo, on n'est pas pressé. Et puis en fait, pour commencer, c'est la marque de la mousse que je vous ai dit que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, la mousse que je vous ai dit qu'il faut mettre dans les chaussures. Bon, après, il y a beaucoup de mousses qui sont bien, qui sont adaptées et qui sont d'une bonne qualité. Moi, j'ai pris cette mousse-là. C'est une mousse assez bien en fait, qui est une marque assez raisonnable. Voilà, après moi c'est une marque un peu, en fait c'est sportif en fait. Mais en fait moi le vendeur m'a conseillé, etc. et tout, mais bon. Après moi je me suis dit je veux prendre ça et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais bon ça va, je l'ai mis sur la chaussure, franchement ça va hyper bien, ça me donne un peu de la taille. Et c'est nickel. Regardez, c'est ça que je prends. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que vous voyez bien ce qui a marqué, vite fait. Voilà. Et bien ce qui a marqué, comme ça. Voilà. C'est celle-là que je prends de marque de. Je suis sûr. Voilà. C'est une mousse qui est bien, en fait. Ce qui est bien, c'est que pour le dos, ça soulage le dos, ça vous met en fait dans des bonnes conditions. Ça ramortit en fait tout le choc quand vous marchez, ça amortit bien le choc et tout, et puis ça va, franchement, on se sent à l'aise dans cette mousse-là. Là, je n'ai pas la mousse dedans parce que je l'ai mis déjà dans la paire de chaussures que je vous montrais tout à l'heure. Là, j'ai juste la mousse d'origine qu'il y avait dans la paire de chaussures Nike, voilà. C'est la mousse d'origine que j'ai enlevée et que j'ai mis dedans. Je vais peut-être la jeter ou peut-être la garder, je sais pas, je verrai. Et puis voilà, j'ai pris cette mousse, mais bon après. Ouais, après son prix normalement est de 20 euros. Moi je pense que le monsieur m'a fait un prix 20 euros. Après je sais pas si c'est plus cher ou quoi, mais pour moi c'était 20 euros que j'ai acheté. Et puis on va maintenant, je vais vous montrer la marchandise. Je pense que vous êtes passionné, vous attendez à la paire de chaussures. Bon, je ne vous dis pas la couleur, c'est une couleur assez raisonnable. C'est une paire de Nike en fait. C'est une belle basket montante avec des ressorts derrière, et j'aime bien. C'est un peu mon style de basket aussi que j'aime bien, avec des ressorts. Et puis en fait, la couleur, on peut la mettre avec du blanc, avec du noir, c'est-à-dire quand je dis ça, c'est-à-dire les pantalons, vous pouvez mettre du blanc ou du noir, ça passe bien, parce que la couleur elle va un peu avec tout. Bon, je vais reprendre la paire de chaussures, je ne sais même pas où je l'ai mis, la paire de chaussures, je ne me rappelle plus. Je l'ai mis où? Je ne sais même plus où j'ai mis la paire. Ah oui, si. Ça, je pense que c'est là. Oui, c'est ça, c'est là. Ah, ben voilà, c'est là, éventuellement. La paire de chaussures est là, donc voilà. Je ne vais pas me presser, mais je pense que vous êtes pressé de voir la chaussure qu'on m'a offert, quoi, la paire de basket, quoi. Regardez, hein, c'est bien Nike, hein, voilà, c'est bien Nike. Je vais ranger ici, puisque bon, voilà. Je n'avais pas envie de. C'était par rapport à la vidéo, ce qui est plus simple, l'endroit de la ranger là, et comme ça. Voilà, bon, c'est une paire de chaussures de bonne qualité, hein, comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, une des premières vidéos que vous avez vues. De bonne qualité, et c'est Nike, hein, regardez bien, c'est Nike. C'est Nike, hein, je confirme bien, regardez. Bon, je crois que je l'ai mis à l'envers, je sais pas si on peut voir comme ça ou comme ça, enfin bref. C'est bien Nike, hein, voilà. Là on voit bien le signe, c'est mieux, c'est Nike. Voilà, c'est Nike. Vous êtes pressé que je vous montre la paire de chaussures, mais je vais mettre tout mon temps pour ça, vous êtes tellement pressé de voir la chaussure. Mais je sais qu'il y a des rageux qui vont faire quoi, qui vont avancer la vidéo pour voir vite la chaussure. Je sais qu'il y a toujours des rageux. Et ils ne veulent pas voir le carton, ils s'en foutent de carton. Limite, ils balancent le carton. Ils vont avancer la vidéo. Je vois, de toute façon, je vois ceux qui regardent la vidéo qui avancent. Et j'ai vu qu'il y a, dans ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui avancent la vidéo pour aller tout de suite au but de la vidéo et voir de quoi il s'agit, etc. Donc voilà, bah, après, si vous avancez la vidéo, vous pouvez avancer.
C'est bien d'écouter un peu les conseils, etc. Mais moi, j'aime bien cette paire. Après, c'est bien parce que avec les boules d'air et tout, c'est bien, ça ramortit. Mais après, quand tu as les boules d'air, le problème, c'est que ça peut se trouiller rapidement parce que la paire de chaussures Nike, il y a des bulles d'air et je sais pas si je pense que j'ai déjà trouvé déjà une paire de j'ai déjà une paire de baskets que j'ai déjà fait un trou du coup la boule d'air elle est morte que celui-là ça peut pas se trouver tout ça c'est bien enfin c'est il peut pas bon, ça peut se gâter les ressorts mais c'est difficile c'est un peu plus costaud c'est ça que j'aime bien sur cette paire de chaussures. Bon, je vais arrêter de parler plus. Regardez, j'aime bien vous faire patienter hein, j'ouvre la paire. Ah, elle est pas mal, franchement j'aime bien. C'est un beau cadeau, hein. Franchement, si, c'est un très bon cadeau, regardez. Je vous laisse découvrir le cadeau, parce que je pense que vous êtes pressés de découvrir le cadeau, quoi. Voilà, vous voyez, c'est une paire de chaussures Nike, hein, tout simple. Hein. Avec des ressorts de bonne qualité, franchement, regardez. Voilà, c'est bon. Je vais les enlever du carton. Voilà. Bon, alors, c'est une paire de chaussures qui se présente comme ça en fait. Il y a une belle chaussure, moi j'aime bien parce que la qualité de la basket est vraiment assez correcte parce que c'est bien, les plis sont bien et tout. Moi j'aime bien les plis, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez les plis sont bien et tout, moi j'aime bien les plis, le pli de devant là, de la paire de chaussures. J'aime bien, pour moi ça j'aime bien parce que ça fait un peu propre et tout, c'est nickel, j'aime bien. J'aime bien, c'est ce modèle là que je mettais beaucoup avant et j'aime toujours ce modèle. J'aime bien mettre ces chaussures-là, franchement, elles sont extraordinaires, moi j'aime bien. Je kiffe ce modèle-là. C'est un des modèles à prendre au niveau couleur, des fois je m'amuse avec les couleurs, je prends du blanc et tout. Là, je vais peut-être me remettre à prendre ces chaussures, parce que j'aime bien ces chaussures, franchement. Elles sont très très belles, regardez. Elles sont magnifiques. J'aime bien, après vous avez la mousse que je vous ai dit tout à l'heure, qui est à l'intérieur déjà. La mousse est déjà à l'intérieur, une mousse de très bonne qualité. Voilà, c'est la qualité magnifique. Voilà, la chaussure, elle est bien. Elle est simple, hein, avec des petits ressorts, des petits Nike et tout. Là, c'est du gris avec du noir. Ça fait très joli comme ça. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien les plis des coupures. La finition de la basket et tout ça, j'aime bien. Ouais, moi, j'aime bien. C'est génial, franchement, c'est fantastique. La paire de chaussures est de bonne qualité pour moi. Voilà, après l'autre c'est pareil, les deux chaussures sont pareilles, hein, les deux baskets sont pareilles, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes finitions et tout ça. Regardez en dessous. Voilà, j'aime bien, franchement j'aime bien. C'est un joli petit cadeau qu'on m'a offert, puis, voilà. Moi qui aime bien, parce que j'avais dit en fait, je parlais de ce modèle, je me suis dit, bah, j'aime bien ce modèle et tout, et puis voilà. Voilà les chaussures, on les a offertes. Franchement, ça faisait longtemps que je les mettais. Après, pour les entretenir, c'est là que j'aime bien les entretenir. Je peux les entretenir pendant longtemps. Parce que j'aime bien mettre ce modèle-là. C'est un de mes modèles aussi préférés avec les Air Max. Hein. Après, j'aime un peu tous les modèles de chaussures. Mais bon, celui-là aussi, c'est un modèle que j'aime très très bien. Voilà, je voulais vous montrer ces chaussures. Franchement, ceux qui aiment bien les montantes comme ça, enfin, je sais pas si on appelle des montantes comme ça, mais. Ceux qui aiment bien les baskets avec des ressorts comme ça, moi je vous les conseille. Celui-là, c'est la bonne couleur, c'est la bonne qualité. Elles tiennent bien le pied droit si vous mettez la mousse et tout. C'est nickel. Moi, franchement, je vous confirme que ces chaussures-là sont magnifiquement très très bien. Moi, j'aime bien. Après, excusez-moi si je regarde un peu le retour caméra, parce que je regarde plus le retour caméra que vous qui êtes en face de moi. Ça m'arrive dans toutes mes vidéos que je regarde beaucoup le retour caméra. Excusez-moi, ça arrive. Bon ben voilà. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous si c'est possible. Et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos
de basket qui vont arriver peut-être dans quelques temps ou peut-être le mois de décembre, le mois non pas de décembre, je veux dire, le mois de septembre, peut-être que je ferai une autre vidéo avec des baskets pour le mois de septembre. Je ne sais pas ce que je vais prendre, si ce ne sera pas des blanches ou si peut-être je vais trouver les Air Max bleus que je cherche. Si je ne trouve pas, ce sera peut-être des blanches, mais pas du noir parce que trop sombre, moi j'aime pas trop quand c'est sombre. Voilà. Salut! Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.